Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est mercredi et je vais chercher Clara au lycée pour faire un petit pique-nique avec les enfants au bord d'un petit étang. Voilà. Oui, là on a fait un pique-nique. On est mercredi donc j'ai cherché Clara à l'école et on a fait un petit pique-nique et là il commence un petit peu à pleuvoir. Oui, on te suit. En rentrant, j'ai fait des tartelettes citron. Et ensuite, on est ressorti s'amuser un petit peu au parc de jeux. Un canard, deux canards. Il est où le troisième? Trois canards, un canard. Maman, moi, c'est papa. T'es le papa canard? Ok, papa canard. Bébé canard. Bébé canard. T'es un bébé canard? Et ça, c'est la maman. Ah, c'est la grand-mère canard, elle a dit. Bon, je vous ai pas encore montré ce que j'avais pris chez Action début du mois. Donc je vous montre tout de suite. Alors j'ai pris cette jarre de litres comme ça pour cet été. Elle est magnifique. Donc je vous montre comme ça. Elle est vraiment très très belle. Elle fait 2 litres. Elle est en verre, on dirait une bonbonnière. Et là, tac, vous l'ouvrez et vous fermez. Donc ça, en attendant, je le laisse ici, sinon elle sera sur ma table dans le salon. Ensuite, j'ai pris une recharge pour faire les bulles, comme j'ai la machine à bulles pour le bain. Ils adorent en fait faire une soirée bulle dans le bain, en fait, avec le petit pas de patrouille que je vous ai montré dans les vlogs précédents. Ensuite, j'ai trouvé ça, tout le monde en parlait, c'est un pousse-mousse brosse nettoyante faciale. Donc avec la brosse intégrée, donc au début je voulais pas l'acheter parce que je trouve pas ça très hygiénique, mais j'ai fait le mouton et je voulais tester et puis la compo elle est pas mal. Ensuite j'ai pris des dentifrices, donc voilà, chez nous ça part extrêmement vite les dentifrices, donc j'ai pris ceux-là et ceux-là, voilà, donc je vais les ranger aussi. J'ai pris des cotons-tiges spécial bébé, je les aime bien encore pour les enfants ceux-là. Ensuite j'ai pris du sel pour nettoyer le lave-vaisselle. J'ai pris une petite brosse comme ça pour les baby hair, mais en fait là j'ai envie de ça, quand je fais des tresses africaines ça fait bien l'arrêt. Et là, on peut bien prendre les petites mèches, bien les plaquer, bien les coller. Donc ça, ça va beaucoup me servir quand je vais faire des coiffures plaquées, des petits peignes comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 kits bougies. Comme ça, trop bien. Franchement, je vais l'essayer aussi, celui-là, peut-être en vidéo, dans un vlog. Et j'ai pris des petits cadres comme ceci pour faire du bricolage. Voilà. Pour faire pourquoi pas quelque chose pour la fête des papas avec ces petits cadres là. Et j'ai pris les sacs poubelles à la lavande que j'adore, voilà, donc pour le hall Action. Ah non, vu que j'ai eu un garage, j'ai aussi acheté chez Action cette étagère là. Elle était à 20 € il me semble et je trouve ça super pas cher pour ce que c'est, parce que d'habitude elles sont hyper chères chez Brico Dépôt. Là c'était la dernière, 20 € et je la mets dans mon garage pour ranger tout ce qui est vêtements, etc. Et en fait j'ai oublié tout un sachet, donc j'avais pris 3 boîtes comme ça, ce que je vous ai montré avant. J'ai pris, je vous le fais là, des petites décorations comme ça, voilà. Ça, c'est pour quand je vais faire des bijoux en résine. Normalement, il y en a un deuxième. Ensuite, j'ai pris des cerneaux de noix parce qu'ils sont vraiment pas chers là-bas. Et vu que je fais beaucoup de gâteaux aux noix, c'est vraiment très, très pratique. Donc, j'ai pris, je crois, 4 paquets de noix. Voilà. Et j'ai pris 4 paquets d'amandes pour faire un gâteau aux amandes. Et 4, voilà, donc ça je vais mettre en stock. Ah oui, j'ai repris des cotons-tiges,
J'ai pris des lingettes, donc celle-ci, j'aime bien en avoir dans la voiture, et celle-ci, donc je vais en mettre dans la voiture aussi. J'ai pris ça pour faire un petit bricolage. J'ai pris les petits saucissons. Ah non, j'ai encore pris des cerneaux de noix. Voilà, parce que ça, c'est jamais perdu, et pour faire des gâteaux, c'est pratique. J'ai pris un gua sha. C'est du vrai jade et c'est pour les cheveux, voilà. Et ensuite je me suis pris un masque sirène, je me suis pris un autre masque sirène et j'ai pris des feutres marqueurs. Et ensuite ceux-là, franchement, ces petites pinces, elles sont hyper pratiques parce que quand je me fais un chignon, voilà, je vous montre directement. Donc je fais une queue de cheval, j'enroule et en fait, paf, je mets les petites pinces comme ça. Et franchement, c'est vraiment très pratique. En plus, elles sont super jolies. Donc j'ai pris en double comme ceci. Et j'ai pris celle-ci que j'en ai déjà mis une dans mes cheveux. Voilà. Et j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça parce que j'en avais plus, des petites puces à oreilles. J'ai trouvé trop belle celle-ci avec les petites lunes et tout ça. Et j'ai pris des bijoux de cheveux. Donc quand on fait des tresses cet été, une tresse épi sur le côté, vous glissez des petits anneaux comme ça dans les cheveux et ça fait super joli. Voilà, j'aime trop. Et le soir, comme très souvent, c'est mon moment à moi et séance de sport. Très intense cette fois-ci parce que quand je suis sortie de là-bas, j'étais très étourdie, j'ai fait 2 heures de sport intense et j'avais vraiment besoin de vomir carrément. Le lendemain, j'ai pas trop filmé, donc j'ai juste fait un gâteau aux noix. Donc voilà la texture et il était délicieux. Et le lendemain, j'ai fait une sortie avec Léo et Clara. Attention. Non, non, j'ai peur. Allez, Léo, vous allez descendre. Bon, je vous dirai à combien de mètres on est après, hein. En rentrant, j'ai fait des bouchées à la reine et là, je suis en train de préparer ma sauce, donc le roux, et ensuite, je m'amuse. C'était ma tante qui avait une maison. C'était ma tante qui avait une maison. C'était la maison de ma tante. C'était la maison de ma tante. Dans cette maison, il y avait une allée. Dans cette maison, il y avait une allée. C'était l'allée de la maison de ma tante. C'était l'allée de la maison de ma tante. Dans cette allée, il y avait un jardin. Dans cette allée, il y avait un jardin. C'était le jardin de l'allée de la maison de ma tante. C'était le jardin de l'allée de la maison de ma tante. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Dans ce jardin, il y avait un pommier. C'était le pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. C'était le pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. Sur ce pommier, il y avait une pomme. Sur ce pommier, il y avait une pomme. C'était la pomme du pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. C'était la pomme du pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. Sur cette pomme, il y avait un oiseau. Sur cette pomme, il y avait un oiseau. C'était